Attends, il a été la chercher à Angers. Ouais. Il avait un... Tiens, bah regarde. Tu l'as vu celui-là ou pas? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite session de pêche au Black Hill en Normandie. Du coup, on est en été, ça se voit pas trop, mais c'est bien l'été. On sort de gros coefficients, il n'y a pas trop de courant, les poissons sont pas hyper actifs. Du coup, c'est une session destinée à la pêche au Black Hill qui va nous permettre d'aller gratter les poissons qui sont à trous. Donc là, on commence la journée en ma compagnie et on ira rechercher Thibaut tout à l'heure au port une fois qu'il aura fini sa journée de boulot. Et on espère vous montrer de jolis poissons. En gros, le Black Hill, il va imiter un petit lançon qui se balade doucement au fond et qui se laisse porter par le début du courant. Là, on est à marée basse. Là, ça fait 20 minutes que la marée commence à monter, donc du coup, il ne remonte pas trop de courant. Après, je garde un œil quand même sur le sondeur, des fois que les poissons soient décollés. Et du coup, je peux éventuellement essayer de faire un petit peu de linéaire comme ça. Là, par exemple, il y a un peu de détec de décoller. Donc je remonte un peu, il se passe rien, je reprends tout de suite le contact avec le fond. Je suis au Black Hill 150 or. Il est bien noir. Là, j'ai vraiment été le chercher dans le caillou. Hein. On s'est placé dans une dizaine de mètres d'eau, à ras d'un tombant. Du coup, animation lente à ras du fond avec un Black Hill 150 en tête de 40 grammes. Il n'y a clairement pas d'activité aujourd'hui, donc c'est le seul moyen d'aller chercher des poissons. Hein. C'est vraiment. Va repasser près de la gueule. Et voilà. La persévérance a fini par payer. Il se passe pas grand chose. Du coup, je vais changer du tout au tout. Je vais mettre un coloré plutôt sombre. Et je vais venir mettre un kaki. Hop, un petit kaki, donc avec un dos un peu plus noir. On va voir si ça fait la différence. Changer de stratégie. Là, je me suis mis dans beaucoup moins d'eau. Il y a 5 mètres d'eau et en gros, je vais essayer de venir chercher les poissons qui viennent se nourrir dans la bordure. Là, la marée, elle monte, les poissons, ils suivent la marée et ils viennent dans les bordures se nourrir des crabes, de tout ce qu'ils peuvent trouver, des crevettes, les petits poissons de roche. Donc du coup, là, je me suis rapproché du bord en espérant essayer d'aller chercher ces poissons-là. Donc je suis toujours au Black Hill, hein, évidemment. L'avantage, c'est que son âme sont texans, du coup, qui me permet de passer sur les rochers dans les algues sans crochet. Puis bah on va voir si les poissons sont dans peu d'eau. Donc
Donc là on a décalé un petit peu, j'étais dans 4 mètres d'eau, je dis bon on va redécaler, je vais me mettre plus dans le tombant. Puis on discute et poisson. C'est pas énorme mais sur un coloris gosmino. C'est petit, mais c'est poisson. Voilà, on vient de récupérer Thibaut au port de Fécamp. Le début de la session a été assez compliqué. Je fais un poisson non maillé, puis un poisson de 59, vraiment collé dans les cailloux. Donc là, on est juste à la sortie du port de Fécamp, c'est la fin de mon temps. Souvent, il y a un peu de poisson qui s'active de ce côté-là, et puis il nous reste du courant en fait avant la renverse. Donc du coup, on va insister un petit peu ici en espérant sortir des gros poissons, parce qu'il y a vraiment de très gros poissons qui traînent là. Donc moi je suis au Black Minnow et Thibaut t'es au... Moi je suis au Crazy 180 en 35 grammes. Voilà, donc du coup on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. On a laissé un peu le Blackie de le côté pour le moment et puis on essaye avec des leurres un peu plus gros, un peu plus volumineux. Là le vent se lève, donc on va essayer de bouger un peu d'eau et puis déclencher des poissons. Poisson. Oh putain. Poisson. Pourquoi il y a plein de poissons? C'est maillé. Il y a du monde là-bas parce que j'ai pris une première touche décrochée. Ouais, c'est... C'est pas foufou. Mais ça doit être maillé, je pense. Merci. Ouais, il est énervé en tout cas. Les conditions sont dégradées, on a du mal à naviguer, on a dit tiens allez, on va tenter un coup sur un poste là. Et du coup j'ai mis un paddle tail pearl green, monté sur une tête de 30 grammes pour vraiment voir le fond en fait. Du coup je prends une première touche, je rate et je reprends une deuxième sacoche derrière. A priori il y aura un peu de poisson dans le secteur. On arrive à voir ce qui ressemblera à une dérive, donc ouais. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Oh bon, hop là. Et en forme, tu vois. Bon bah du coup, je viens de péter avec ma canne, j'avais plus que 30 cm de fluoro, je dis Thibaut, je prends ta canne. Il y avait un Crazy 180 avec une tête de 35 grammes dessus. Et a priori, on est sur un client là. C'est pas si gros que ça, mais... Avec le vent, c'est bien noir. Il est tout noir. Alors le Crazy, je sais pas si vous le voyez, il est rangé. Tranquillement. Ouf. Eh ben écoutez, je pense que on a fait le taf, c'était compliqué, on a été obligé de s'adapter du coup avec la météo là, il y a quand même pas mal de houle. Là ça va commencer à être dangereux donc je pense qu'on va rentrer. Et puis le Crazy 180 35 grammes, même dans 5 mètres d'eau, ça passe. Alors après c'est spécifique du secteur, ouais. Oh. Qu'est-ce que ça? T'as cassé? Ah bah j'ai même pas cassé, ça a poup, coupé. Il va y avoir une... une huître en bas. Ah oui, mais coupé vraiment pour de vrai. Vache.